Bonjour à tous, aujourd'hui encore on va jouer à Heart of Iron 4, on va continuer notre partie avec l'Egypte dans le mode Road to 56. Donc la dernière fois ce qu'on avait fait c'est qu'on avait gagné la seconde guerre mondiale, et donc on avait récupéré pas mal de territoires allemands, mais pas tout. L'Allemagne de l'Est et les territoires tchécoslovaques par exemple, ils sont pas à nous. C'est les Russes qui les ont récupérés à la suite de la seconde guerre mondiale, et donc ils ont décidé par la suite de déclarer la guerre une nouvelle fois à la Pologne, donc re-guerre. Et donc cette fois c'est la guerre contre le bloc soviétique qui a entre temps récupéré des bouts de l'Espagne qu'on a récupéré nous-mêmes, vu qu'ils s'étaient alliés avant au Japon, donc on leur a cassé la gueule une première fois pour prendre pas mal de morceaux, et une deuxième fois pour reprendre les morceaux communistes, vu que les communistes avaient été en guerre contre les Japonais. D'ailleurs, niveau Japon, ils sont neutres, donc il n'y a pas de problème. Ils vont pas rejoindre. Et donc le Comintern avait donc une Allemagne et une République tchèque qu'on a explosé nous-mêmes avec nos petits soldats ici. Nos 38 divisions ont détruit l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. La Pologne était déjà alliée. Et donc maintenant on essaye de continuer de pousser et on va essayer de faire en sorte d'aider les alliés. Pour l'instant, en termes de participation de guerre, de score de guerre, nous sommes premiers devant les Anglais et les Américains et les Français en quatrième. Donc on fait pas mal de taf alors qu'on a 10 fois moins de divisions que les Anglais. Bravo les Anglais, vous servez à rien. Donc on va continuer. Casser la gueule aux Russes dans le jeu, évidemment. Et donc on va essayer d'avancer pour rejoindre Riga. En fait, on va essayer de faire un truc comme ça, grosso modo, pour essayer de diviser le bloc à gauche pour rejoindre nos alliés. Donc on va essayer de faire ça, hein. On va voir s'il y a moyen de passer grâce à nos merveilleux tanks. Donc let's go. Est-ce que l'aviation c'est ok? C'est pas ouf, mais c'est ok tiers. Est-ce qu'on peut récupérer des avions? Ça a l'air moins clair. Est-ce que j'ai des avions en trop? Oui. Est-ce que j'en ai d'autres, avions en trop? Ouais, c'est tous des avions de style différent, donc c'est un peu chiant. Peut-être pas ouf de les déployer ici. Ouais, on va déployer quand même. On pourrait tout déployer comme un gros bourrin, mais nous n'avons pas énormément de gens disponibles. C'est ça que j'ai déployé? Mais c'est pas ça que j'ai déployé. Il y a la moquette, toi. Bah, ils sont partis dans les limbes, ceux que j'ai déployés. Ah non, ils sont ici. Bravo. Bravo, bravo. Rejoignez les gars. Voilà. Ça, on a 100 avions de plus pour nous escorter. Et donc, on va essayer de pousser ici, en Russie. Let's go. On y va. On va avancer. Il va falloir faire attention pour que nous n'ayons pas d'encerclement. C'est ça qu'on craint le plus. Voilà. Eux, ils vont venir. Et ils vont essayer d'agrandir la percée pour pas qu'il y ait de problème d'encerclement, évidemment. Ça c'est un peu trop exagéré. Ça va pas passer, donc arrêtez les bêtises. Voilà. Vous pouvez continuer. On va prendre un gars, on va lui dire de venir, et lui il va dire d'aller là. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres gars qui vont venir ici. Toi reste ici. Alors on va essayer de faire en sorte de ne pas se faire encercler, ça serait pas mal. Mais de quand même isoler des divisions ennemies. Donc on va essayer de faire des petites poches. Voilà, là c'est bon. Faudra essayer de continuer pour essayer de prendre mes mails pour faire un encerclement ici en prenant ça par exemple. Donc ça serait pas mal. Sauf que là il y a des traversements de fleuves et nos divisions commencent à manquer parce qu'on a fait une poche avec peu de divisions pour l'instant. Il y en a plutôt qui vont arriver au fur et à mesure, mais pour l'instant c'est tendu. Qu'est-ce qui est... Oui, celui-là, ça va le faire. Lui, il arrive. Ouais, essayer de rejoindre ici, voilà, pour aider le tank. Et il faut qu'on continue d'avancer. Alors, le traversage de fleuve, voilà, c'est pas ouf. Mais ça passe. Toi. Ouais, super. Lui, il a compris le plan. Donc, il est déjà en train d'essayer de venir. Bravo. Bravo, le veau. Toi, tu vas essayer d'avancer. Voilà, c'est bon. Ils sont avancés, donc ça va défendre. On va pas se faire encercler tout de suite. On continue d'améliorer notre aviation. C'est pas ouf, mais bon. Les améliorations égyptiennes, voilà quoi. Il n'y a pas énorme.
Donc vaut mieux ça que rien. On peut continuer d'améliorer les avions, oui, bravo. Et on n'a plus trop de décisions importantes, je crois. Hein. Ouais, je crois. Hein. Oui, on peut voler des usines dans ce mode, c'est beau. Si on récupère des territoires, on peut voler des usines. Alors, on adore. Comment on va faire, là? Oui. On va essayer de rejoindre ici et d'attaquer Memel. On va essayer d'encercler ce petit point. Vous, attaquez ici. Pour essayer de réduire la poche. La largeur. Et toi, tu vas venir, voilà. Tu vas venir ici, t'as tout compris. Pour empêcher qu'on nous prenne le pixel derrière. Vas-y, aide. Aide. Maintenant, vous. Attaquez ici, là, parce qu'ils sont en slip. Il y a moyen d'isoler leur capitale. Même si c'est pas la capitale des Russes, c'est déjà pas mal. Toi, va aider. Je suis pas sûr qu'on a réussi à faire grand-chose, là. On va cependant encercler cette petite capitale de la résistance allemande. Enfin, des Allemands du coin. Donc voilà, comme ça sera déjà ça de moins. Ils essayaient de nous attaquer. Toi, tu vas rester en défense. Voilà. Ça sera pas mal. Et assiste juste. Voilà, comme ça, là, ça explose. C'est nickel. Et est-ce que je peux le dire à lui d'attaquer Memel pour encercler. Comme ça, ça fait des bonus pour essayer de... Voilà. Donc là, à gauche, ça a été dégagé. Et maintenant, il faut faire pareil avec Memel pour essayer d'encercler ces petits gars-là. Mais ils sont de... J'allais dire de moins en moins nombreux, mais ça va, on a réussi à les dégager avant. Puis ils s'enfuient tous, donc c'est nickel. Les petits tanks vont faire en sorte que ça se finisse plus vite, voilà, nickel. Et nos tanks vont attaquer ici. Ils sont pas ouf en organisation, mais ça devrait être ok. Toi, reste ici, oui. Bon, ça devrait être ok. On a réussi à avancer d'un peu. Donc il va falloir continuer d'avancer pour rejoindre nos alliés. En Estonie, Lituanie, Lettonie, Riga. Évidemment. Donc on va essayer de rejoindre nos potes. Est-ce que oui, on a eu le temps de rejoindre ce pixel, c'est nickel. Et il va falloir un petit peu plus d'organisation, je le crains, si on veut continuer le push. On reste ici par contre. Le problème c'est que si on attend, l'ennemi aussi récupère de l'organisation. Donc ça on veut pas. On va essayer quand même de pousser pour essayer de séparer le front l'ouest. Et après, on ira voir au sud si on peut pas faire en sorte que la Roumanie et la Bulgarie soient plus en lien avec la Russie. Mais ça va être plus compliqué. Je vais dire, est-ce qu'il y a moyen d'attaquer, mais c'est pas si évident que ça. Je vais essayer d'attaquer là pour avoir la protection du fleuve, pardon. Mais c'est quand même pas ouf. Là, c'est bon, il y a un petit gars qui va venir en plus, oui. Donc toi, tu peux essayer de foncer. Vas-y, fonce jusqu'au bout. Oublie que t'as aucune chance, comme dirait l'autre. Fonce autant que t'es con. Au choix. Les choix sont multiples. Mais tout est fonctionnel, évidemment. Toi, tu veux aller ici et tu vas attaquer là. Voilà, donc là on a rejoint nos Nakama, comme dirait l'autre. Et donc, il y a du monde, on attaque pour élargir le front et être tranquille. Bah tiens, ça peut être pris, vas-y, viens là toi. Et donc lui, avec notre tank, il va aller faire du nettoyage. Nettoyage à sec, évidemment. Pas du tout. N'importe quoi. Oui. Toi, tu vas rejoindre de l'autre côté. Et vous, vous restez par là. Hein. On a besoin de plus de monde de ce côté que de l'autre. L'autre, c'est ok. Donc voilà. Lui, il va faire des petits circuits pour aider. Là, il y a un port ennemi. Ce serait la priorité de le prendre. Pour les bloquer. Il n'y a pas dans ce mode, il n'y a pas de jonction ici. Intéressant. Dans le mode... Dans le mode qu'on a fait précédemment, Kaiser Redux, il y avait une jonction. Donc c'est pas la même tambouille. Donc là, ça va être plus facile pour nous de se débarrasser d'eux, parce qu'ils vont pas avoir... Enfin, ils vont pas avoir le nord, de toute façon, c'est aux mains des Anglais, donc ça va. Est-ce qu'on finit de relier? Oui,
Faudrait finir de relier, hein, je pense. Faudrait de finir de relier le pote. Donc on va mettre nos tanks ici. Ouais, non, je pense qu'on va mettre ici et comme ça on va percer. Pardon, on va percer ici. Pour isoler ça de... du sud. Pour les encercler et les neutraliser. Oui, il nous manque plein d'acier, c'est normal, c'est le bordel. Mais il va falloir en récupérer un peu quand même. Cela dit, dans ce mode, on peut construire des choses pour récupérer de l'acier. Donc on va en faire des moulins à acier. Je sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord. On va en faire quelques-uns. Faisons-en 3. Ça sera déjà pas mal, comme ça on récupérera un peu d'acier. Tiens, il y a lui qui a une promotion. Bravo. Voilà, plus de retranchement. Les autres, on est d'accord que de toute façon, ouais, ils ont rien. Ils ont rien, ouais, je peux pas leur mettre de trucs intéressants, donc tant pis. Voilà, les tanks, c'est bon. Allez, venez les gars. On a réglé le problème à l'ouest, ici. On va pouvoir rejoindre l'opate à l'est. Nos espions, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Des trucs pour que l'intelligence ennemie soit... Enfin, les renseignements ennemis soient moins forts. Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf et c'est pas indispensable. Allez, il nous faut nos petits tanks pour relancer une contre-attaque. Enfin, une contre-attaque, une nouvelle attaque, pardon. Et après, on ira au sud pour rejoindre... pour couper la Roumanie de l'Union soviétique. Ça sera ça l'objectif après. Pour l'instant, faut juste faire en sorte que la poche ici de l'Estonie, oui, l'Estonie soit reliée à la Lettonie, enfin au reste du continent, pour être tranquille, pour avoir des vrais renforts possibles. Ils sont en train de reculer. J'ai besoin de mon tank. Voilà. Donc là, on a 2 tanks. On va essayer de pousser. Toi, tu vas pousser ici. Toi, tu... Bon. Voilà, vous allez pousser ici. Pour essayer de rejoindre à l'est. Ici, faire la petite percée. Voilà, nickel. Lui, il défend, nickel. Voilà, comme ça, on va pousser ici. Et en plus, on leur reprive d'un aéroport. Une base aérienne. Et ça, c'est bien. Voilà, donc là, c'est bon. La jonction est faite. Et donc, il n'y a plus qu'à dégager les mecs au nord. Ils n'ont plus de ravitaillement. Ils sont dans la mouise. Ils étaient en train de récupérer des territoires, donc ça tombe bien. Comme ça, on va bien assister l'allié qui va pouvoir se débarrasser de ça. Parce que là, à part nu, lui, il est tranquillos, le gars. Là, hein. Il prend tous les territoires tranquilles, il n'y a personne qui l'attaque. Alors qu'il y a des gens à côté. Bravo. Bravo, l'IA. De merde. Toi, attaque ici, voilà. On va revenir comme ça. Vous, attaquez là. Il faut réduire la poche au max. Pour pouvoir encercler des morceaux et se débarrasser de problèmes. Problème ennemi. Toi, attaque ici, tiens. Et toi, attaque ici. Ils ont un port? Pas du tout. Alors, comment se fait-il qu'ils aient toujours pas de problème de ravitaillement? Bravo. Bravo à vous. Il est où mon autre tank? Ah oui, il est ici. Il va arriver après pour attaquer ici. Si je lui donne l'ordre, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? L'Union soviétique a annexé Touva. Tanou-Touva a été annexé ici. Bravo. Au nord de la Mongolie. Je pense pas que ça va être un tournant décisif dans leur guerre. Je pense pas que ça va les sauver. Donc tant mieux pour eux. Et c'est tout. Voilà, là on va bientôt exterminer la petite poche. Voilà. Et comme ça c'est bien. Nickel. Allez. Dégagez, vous. Dégagez, les gars. Voilà. Ça retue plein de divisions ennemies. C'est nickel. Donc voilà, on a rejoint les alliés. Ensuite, on pourrait continuer d'essayer de faire des opérations dans le nord. Les divisions ennemies sont faibles et peu nombreuses. Vu qu'on en a tué plein. On a fait pas mal de taf. On a tué 1,4 million de Russes. Alors que nous avons perdu 137 000 Égyptiens. Bravo. Un pour 10. C'est un beau ratio. Allez, on va continuer d'améliorer notre aviation.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pas grand-chose. Non. Ah tiens, on fait en sorte d'avoir plus d'acier. Donc est-ce qu'on reste ici ou on descend pour bloquer la Roumanie? Moi j'aimerais bien bloquer la Roumanie. J'aimerais bien faire ça. Allez, on va se mettre jusqu'en bas. Et donc on va faire venir nos petits tanks au sud. Donc est-ce qu'on se mettrait pas ici, à Cowell, pour faire une percée de ce genre? Comme ça, le sud sera bloqué. Ils n'auront plus de renfort des Russes. Ou alors, ils devront passer par la mer, qui est dangereuse. D'ailleurs, on va rajouter de la dangerosité dans cette mer, parce que ça nous va pas. Est-ce qu'on peut mettre même eux? On peut les mettre en escorte de convoi. On a assez de carburant, et au moins, ils feront quelque chose. Mieux que rien. Donc voilà, let's go. Donc là, nos tanks vont devoir venir à l'autre bout du monde. Est-ce qu'ils prennent le... Non, ils prennent pas le train. Bah dommage. Et Loulou, le tank, il prend pas le train non plus. Prenez le train. On gagnera à peu près 2 semaines et demie. 2 semaines et demie de voyage, c'est pas trop mal. On pourrait donner l'ordre d'attaque, mais visiblement, ça ne gagne pas vraiment. Donc c'est pas si ouf que ça. On peut essayer de... Ouais, non, je pense que lui, le haut, il va reculer avant qu'on le fasse perdre. On a augmenté la production d'acier, des moulins d'acier. Je pense qu'ils veulent dire par des moulins d'acier, mais bravo. Pour avoir plus d'acier avec les constructions. On peut faire ça, le support de 46, pour avoir plus de défense et plus de percée. Ce sera utile pour gagner. Ouais, comme prévu, ils vont bien dégager tout seuls, donc c'est non. Il n'y a pas de nécessité pour l'instant. Oui, plus de caoutchouc. Oui, on veut toujours plus de caoutchouc. Plus de ressources pour les échanger avec des gens, pour récupérer des usines gratuitement. J'ai l'impression que nos tanks ne vont pas servir. Pas être indispensable en tout cas. Est-ce que toi tu vas pouvoir venir ici? Bravo, bravo mon tank. On peut prendre Raoun ou prendre au sud. On va prendre au sud parce que c'est moins défendu, mais on va quand même aider à prendre Raoun. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Non. Matériel de merde, on n'a pas besoin. Toi attaque quand même. Voilà, on les dégage. Et on va essayer de foncer, de faire notre percée comme ça. Pour rejoindre la poche. La poche américano-anglaise. On les sauver. On sait ce qu'on peut penser aux enfants. Oui, essayez de faire ça, tiens. Essayez de faire ça, ça sera pas mal comme plan. Évidemment, il va falloir faire attention à ne pas se faire encercler. Mais comme on a une poche assez large, une poche de 2 de large, et que les alliés sont déjà là et ils aident pas mal, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que ça ne fasse pas trop de merde. Là, il y a voilà, il y avait des fortifications ici, donc ça peut être intéressant. Toi, essaye d'aller ici avec ton petit tank. Toi, va ici, prends les territoires qui sont inoccupés. Ça sera magnifique. Là, on pourrait partir d'ici, mais pour l'instant, l'intérêt n'est pas très très grand. Donc, on va les laisser ici, notre petit tank. C'est super. Lui, il va prendre la base aérienne. Ça, c'est nickel. Toi, tu vas rester ici, parce que l'organisation, c'est plus ça. Et on va bientôt pouvoir avancer pour rejoindre ici. Rejoindre le pote. Toi, le tank, tu vas venir aider. Plus de renseignements sur l'armée de terre, c'est ce qu'on a fait là. Propagande et tout. Comment ça? Moins de coûts des gouvernements collaboratifs. Ah, je sais pourquoi je peux pas les faire, les gouvernements collaboratifs. C'est parce que je suis allié avec des démocrates. C'est pas le mode qui empêche de le faire. C'est mon alliance qui me l'en empêche. Ici, on peut frapper vite et fort pour dégager les petits gars. Toi, avance vite. Toi, avance aussi. Non, avance ici, tiens. Là, personne n'y allait. Donc, pourquoi pas. Et on a même encerclé un petit gars. Bravo. Bravo, bravo. Et donc, on a rejoint le sud. Bravo. Donc, maintenant, on a deux possibilités. Soit on s'occupe de Russes, soit on s'occupe de finir le problème.
roumain. Et on va s'occuper du problème roumain en premier. Tout en essayant de tenir la Russie. Toi, attaque ici. Avec l'aide de toi, toi tu vas avancer ici, toi tu vas avancer là, et toi tu vas avancer ici. Il y a moyen d'avancer, donc on va essayer de finir la Roumanie slash Bulgarie pour s'éviter des problèmes futurs. Un petit problème qui s'appelle avoir un ennemi dans le dos. Un problème bien connu que les grands stratèges évitent en général. Assez curieusement d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi, pourtant c'est pas un problème d'avoir des ennemis dans le dos, non ? Évidemment que si. Ah, là ça va peut-être poser problème, la chérie. Parce que là, eux, ils vont aller prendre ça rapidement. Et je ne crains qu'on ne puisse pas les en empêcher. Évidemment. Technologie radar, oui, si tu veux. Coûtera moins cher. Toi, réattaque lui. Voilà, comme ça il dégage. Et on pourra reprendre là le pixel et retourner à l'assaut. Allez-y, attaquez ici. On peut continuer d'essayer de prendre des trucs, mais je crains qu'on ne soit pas assez rapide. Donc on va essayer plutôt d'attaquer. D'attaquer tout simplement. Pas convaincu. Pas convaincu de l'opération là. Pourquoi mon tank il est là? Je ne sais pas. On va quand même essayer de les pousser. C'est encore des endroits où ils ont des fortifications. Ah, pas le milieu. Ils en ont au sud. Donc c'est chiant. C'est plus chiant pour nous. Il y a plus de pertes. Oui, c'est bon, ça avance. Et donc là, il n'y a plus des fortifications à droite et à gauche. Ah oui, il y a quand même un bandeau toute la gauche là. Risque d'être chiant. Ça risque d'être chiant. Est-ce que vous... vous allez avoir des renforts, oui, dans 2 secondes. Pour essayer d'attaquer ici. Pour qu'avec le tank, on puisse avancer. Essayer de faire une percée pour essayer d'encercler des gars. Par exemple, encercler lui ou lui. Au choix. Pour essayer de faire un truc comme ça. Normalement, j'ai un autre tank. Voilà, nickel. J'ai besoin de plus de gars parce qu'il faut traverser une rivière. C'est terrible. Et donc là, on s'engouffre dans la faille. Pas attaque ici. Juste attaque ici. Toi. Tu vas attaquer mais tu vas pas bouger. Comme ça on va pouvoir encercler le petit gars à gauche. Parce que la Hongrie est devenue neutre. La Hongrie a décidé de se retirer de la guerre. Parce que la Hongrie nous avait aidé pendant la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que d'aider les Allemands. Là comme non, oui c'est bon. Le Parti démocratique, on s'en fout dans le jeu. Monter le soutien à la guerre, je suis pas convaincu de cette méthode. Bon, on va prendre un emplacement de construction. Au moins c'est pas perdu. Oui. Voilà, là on va pouvoir encercler le petit Jackie. Voilà, nickel. Donc lui il est encerclé. Donc voilà, on va pouvoir l'exterminer le petit gars. Vas-y, avec le tank, toi. Toi, tu vas faire ça et ça. Ou deux. Voilà, comme ça, lui, il va dégager. Il va dégager bien vite, j'espère. Parce que lui, il faut pas qu'il bouge, en fait. Voilà. Comme ça, on prend plus de place. Ici, fortification niveau 2, oui. Ça serait peut-être intéressant d'essayer de frapper ici pour isoler ces deux, ces 5 gars-là. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. Oui, la police militaire est meilleure. Bravo. Bravo, la police militaire. Dans le jeu. Bravo. On vendra moins de troupes pour garder les territoires qu'on a pris. Même si les 3/4 sont occupés par nos alliés. Donc pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Les tanks modernes, les prochains modèles, c'est très loin. L'artillerie, c'est très loin aussi. C'est vrai qu'on avait commencé à réfléchir à faire des bateaux, mais en fait ça sert à rien vu qu'on affronte les soviétiques. On va faire l'invasion navale au cas où, mais normalement, ça devrait servir à rien aussi. Donc, let's go, toi, viens ici avec ton petit tank. On va essayer, de, comme dit, de frapper ici. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Et dès qu'il arrive, déplacer ici. Non, parce qu'il est un peu long, l'autre. Voilà.
pour attaquer les deux au même endroit parce qu'en fait ici voilà quoi. Voilà. Parce que là la traversée du fleuve c'est pas ouf. Le Cuba a été appelé à la guerre. Incroyable. Cuba n'est pas communiste. Incroyable. Oui, donc là on va continuer de prendre ça, voilà, comme ça là on peut encercler et remonter sur les jacquis ici. Nos alliés étaient énervés et attaquent déjà, bravo. Donc on va essayer de les aider. Oui, bon là on a, on peut prendre... voilà, nos alliés nous aident pas mal, donc ça devrait être ok. Oui. Attaquer, plus d'excavation pour plus de ressources, ça c'est toujours bien. Et on veut plus de carburant aussi. Et on va pouvoir essayer de rechercher de, du tungstène dans la terre. Qu'est-ce que ça nous ferait ça? Plus de... Ah, des promos pour la vitesse de recherche. Ça peut être intéressant pour l'artillerie. Vas-y. Donne-moi des soldes pour les recherches. Oui. Voilà, là ça va dégager. Aider les petits tanks, hein. Voilà. Donc, rejetons un œil à comment ça se passe de l'autre côté. Oui, les Américains ont fait une invasion navale au nord de l'Union soviétique. Ok, Leningrad n'est pas encore tombé, mais là, ça se tient mieux de notre côté. On a ici beaucoup de divisions qui sont plus ou moins isolées. Il y aurait moyen vite de faire en sorte que ça s'isole, tout ça. Là, il y a 16 divisions ennemies qui sont... Ils sont stun. Je ne sais pas ce qu'elles ont, mais elles bougent pas. Donc ça serait intéressant de les encercler. Ça, c'est possible. En attendant, au sud. Il n'y a plus de défense. Il n'y a plus de défense, les gars. Donc, attaquer ici et ici. C'est au même endroit. Mais attaquer à beaucoup pour essayer d'avancer dans les territoires roumains. Ici, l'encerclement a réussi. Bravo. Eh bien, vous pouvez vous débarrasser de ces jacquis qui sont maintenant encerclés. Hein, 20 divisions. 20 divisions ennemies qui étaient encerclées ici. Bravo. Bravo. Évidemment, ils vont vouloir se libérer des petits troubles faits. Donc, il va falloir essayer de les attaquer pour pas qu'ils se libèrent. Mais on n'a pas beaucoup... Deux divisions, nous, c'est plutôt nos alliés qui devraient s'en occuper, mais ils ne servent à rien. Et ça commence déjà à dégager, cependant. Ici, on a réussi, oui, sauf que le tank a décidé de se barrer. Bravo. Bravo d'être idiot, mon tank. Vous, on continue d'avancer. On va essayer d'isoler la partie droite de la partie gauche en coupant au milieu. Comme ça, ça sera pas mal. Ça sera plus dur pour eux de faire des trucs. Attends, j'arrive ou je vais me faire encercler? C'est bon, il y a le tank qui a eu le temps de revenir. J'ai eu peur. Sauf que c'est le tank qui est revenu, c'est pas ce que je voulais, vraiment. Le tank, oui, il va revenir ici. Et une fois qu'il sera là, on a attaqué ici. On pourrait prendre aussi la capitale ennemie. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de bloquer l'ennemi pour pas qu'il ait des troupes partout. Vous pouvez même continuer d'avancer pour prendre de l'autre côté de la rivière. Juste falloir tenir. Et comme ça, on va pouvoir prendre Dobrich. Ou Dobrich, je sais pas. Et isoler l'ennemi. Ça passe. C'est beau, ça passe. Bah oui, mais toi tu dois venir ici. Voilà. Comme ça, là, ça passe. Vous, attaquez ici, là. Toi, viens là, et toi, attaque ici. Et toi, aide ici. Faut qu'on bloque ici, c'est bon. On a bloqué, comme ça, on s'est pas fait encercler. Et là, ça va être coupé en deux. Bravo. Bon, ça a pas été coupé en deux, mais ça fait quand même ce qu'on voulait. Donc c'est ok. Au nord, ici. Évidemment, ils n'ont pas été exterminés. Il n'y a que deux divisions qui sont chargées de défendre ça. Bravo. Bravo. Donc, il va falloir mettre de l'assistance si on veut dégager ces gens. Ils sont trop nombreux ici. Hein. Ça va pas. Donc on va se
placer pour attaquer depuis plus de directions que ça. Voilà, ici. Je sais pas si on pourra les vaincre. Et ils ont pas de ravitaillement normalement. Non, ils ont pas de capital, ils ont pas de ravitaillement. Et bah super. On en est où au score de guerre? Parce que le problème c'est que nous on occupe pas assez de territoire. Donc en occupation. En occupation, c'est les Polonais et tout qui vont récupérer beaucoup. C'est pas ouf. Est-ce qu'on peut pas leur demander des choses? Alors ces territoires là. Déjà. Voilà, comme ça on récupère des territoires égyptiens. Temporairement. Et c'est déjà ça. Ici. Right. Détruisez-moi ces ennemis ici qui ont été encerclés avant qu'ils arrivent à trouver un moyen de s'échapper. Ce qui serait dramatique. Un agent suisse a été capturé. Qu'est-ce qu'ils font les Suisses? Ils sont censés être pacifiques. Ils ont pas lu le mémo. Alors, ensuite, est-ce qu'on prend Bucarest ou on continue d'aller vers le sud? Pour essayer de couper ça. Là, il y a beaucoup de gens à Burgas. Donc, ça serait intéressant de faire ça. Comme ça, on finirait de couper la Russie de ses alliés. Parce que là, ils ne pourront plus du tout y aller. Ça, c'est beau. Donc ça, on aimerait bien. On aimerait bien beaucoup. Il est où, mon autre tank? Je sais pas où il est. T'es où, toi? Il est déjà sur place, il est déjà sur place, mais bravo, bravo, il a tout compris au plan. Il est en avance, le gars. Allez, donc on va essayer de faire ça, et ça, ça va être ça le plan. Cela dit, on peut prendre une petite escapade ici, pour récupérer un point, pour isoler les deux petits territoires ici, les deux petits ports. Voilà, oula. Par contre, il y a l'air d'avoir une... Sacrée défense. Qu'est-ce qui se passe là? Si vous foutez. On veut attaquer. Bravo. L'autre, lui, on veut pas aller si loin pour l'instant. Ça sert à rien. Toi, attaque ici. Oh, lui, il a réussi. Bravo. Et il y a des mecs qui voulaient revenir de par le port. Donc, nickel. Toi, aide. Là, ils vont probablement essayer de reprendre. Mais on a fait ce qu'on voulait pour l'instant. Donc c'est pas encore catastrophique, même si on perd le territoire qu'on avait pris. C'est pas grave. Tenez-vous, mettez-vous de ce côté-là. Là, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de divisions pour faire tout ce qu'on veut ici. Au bout d'un moment, il n'y a, a plus personne pour aider, pour conserver les territoires. Et toi, visiblement, tu vas devoir rester ici, parce que à Varna, il y a des gens qui veulent revenir constamment. Vous, attaquez ici. Avec toi, voilà. Sauf que toi, tu vas pas bouger. Parce que toi, tu vas devoir attaquer ici. Yambol. Est-ce qu'on va pouvoir gagner ici? Il y a l'assistance des gens de l'autre côté. Donc ça va peut-être suffire pour isoler Burgas. Ou Burgas. Au choix. C'est pareil. C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Il y a l'air de plus avoir de renforts ennemis qui arrivent ici, donc c'est ok. Nos tanks sont arrivés ici, bravo. Lui, il va arriver juste là pour empêcher les ennemis de reprendre. Et donc, on va pouvoir attaquer Burgas pour en finir avec ces gens-là. Et comme ça, l'Union soviétique ne pourra plus intervenir sur la Bulgarie et la Roumanie. Donc ce bloc-là, à gauche, sera isolé. Bravo. Nos gars, là, ici, qui ont été isolés il y a 1000 ans. Est-ce qu'on peut continuer le travail? Visiblement, c'est pas clair. Pas clair du tout. Ici, oui. Tiens, toi, aide. Aide en attaquant derrière. Comme ça, Burgas tombera plus rapidement. Et c'est imminent. L'Uruguay. Encore Uruguay oriental, comment ça? L'Uruguay s'est divisé? Non, l'Uruguay. L'Uruguay nous a rejoint. Bravo. Pas si ça nous changera beaucoup, mais bravo. On peut étendre les mines en Autriche. Oui, les territoires sont à nous. Donc pourquoi pas. Nos récompenses de la Seconde Guerre mondiale. Donc bravo. Ici, non, ça veut pas, hein, ça veut pas perdre.
Oui, super. On est sauvés, l'Uruguay est avec nous. Nous sommes sauvés. Visiblement, la Roumanie est mieux défendue que la Bulgarie, donc on va s'occuper du problème bulgare en premier. Oui. Toi, tu vas aller là, et toi, tu vas aller ici. On va essayer d'attaquer le petit gars ici, pour faire une percée comme ça, même si c'est sur les montagnes, pour essayer d'atteindre Sofia. Pour essayer de neutraliser ce problème. Allez, attaquez-vous. Vu qu'il y a de la montagne, c'est pas clair, mais on va dire que ça va être ok quand même. Hein. On renforce nos marines, qu'on n'a pas. On est super content. On a des meilleurs marines qu'on n'a pas. C'est bien d'avoir des meilleures divisions qu'on n'a pas. On va essayer de foncer. On a un allié qui est déjà ici, donc ça devrait être ok. On reste dans la poche, s'il vous plaît, avec vos tanks. Voilà, magnifique. Toi, tu vas prendre ça, et toi, tu vas prendre le chemin de Sofia. Et toi, tu vas aller ici. Non, nos alliés nous ont trahis, évidemment. Ils nous abandonnent pour qu'on se fasse encercler. Bravo, le veau, votez. J'aurais dû faire l'autre sens. Envoyer le cheval ici et attaquer avec l'infanterie. J'ai été idiot. Est-ce que je vais le payer? Non. Je ne vais pas le payer. Et Sofia est tombée. Eh ben super. Toi, tu vas essayer de prendre ça pour pas te faire encercler trop vite. Et toi, tu vas essayer de prendre la nouvelle capitale. Voilà, qui était abandonnée. J'ai pas assez de troupes de ce côté-là. Est-ce que je peux récupérer des troupes? Vous. Viendez, ma bande. Viendez ici, parce que là, ça va pas du tout. Pourquoi c'est la Turquie qui récupère? Je ne sais pas. Toi, essaye de prendre ça. Tu vas essayer de nettoyer les côtes ici, même si Sofia va tomber. Je le crains. Mais on ne sait jamais. Allez, toi, tu prends ça. Avant de te faire encercler. Et toi, tu vas essayer de prendre tout ça. Hein. Tu vas prendre des pixels. Hein. Tu vas aller vite pour prendre tout. C'est tout. Tu prends ça, toi. Allez, essaye de venir ici. Et toi, essaye de venir ici pour t'occuper du gars qui est à Sofia, là. Évidemment, nos gars commencent à vouloir essayer de venir, sauf qu'ils sont bloqués ici, donc ils vont pas pouvoir venir. Toi, prends Sofia pendant que lui attaque ici. Et vous allez attaquer lui. Il y a moyen. Voilà, comme ça, le mec ici à Sofia, il est isolé. Donc on va pouvoir le tuer avec nos deux tanks. Bravo. Et la Bulgarie est tombée. Nickel. Nickel, nickel. Nos efforts ont porté leurs fruits. La Bulgarie est bel et bien tombée. Donc maintenant, ça va être le tour de la Roumanie. On va essayer... non, on va essayer de profiter. De profiter qu'ici, il n'y a personne. Pour récupérer les territoires. Tant pis pour la poche ici. La poche va être maîtrisée par nos alliés. On y croit à mort. Mon optimisme me perdra probablement. Lui, je sais pas ce qu'il voulait faire. Mais en tout cas, l'espoir fait vivre. Bravo. Oui, dégagez-les de l'autre côté du fleuve. Ça sera pas mal. 2,21 ans, c'est trop long. Là, on a fait tout. Ah non, on n'a pas fait tout. On n'a pas fait ça pour les bombardements. Lol, on en fera pas. Plus de tungstène. Évidemment, du tungstène. C'est bien le tungstène. Et toi, toi, t'as décidé de changer d'ordre pendant la mission. Bravo. Il s'est dit, oh non, la stratégie est potable. Donc on va l'annuler, cette stratégie. Et on va faire de la merde. Ça sera mieux. Non. Pas du tout. C'est pire. Est-ce que tu peux faire ça pendant que l'autre attaque ici? C'est un peu trop audacieux. Est-ce qu'on peut créer d'autres divisions de tanks? On pourrait en créer une. Est-ce qu'on peut en créer deux? Oui. Si on arrive à avoir deux divisions de tanks de plus, on va doubler notre puissance d'attaque et notre puissance d'encerclement. Alors là, l'ennemi n'aura plus aucune chance. Jamais. Là, ce qui nous pose problème, c'est qu'on n'a pas assez de tanks. Donc dès qu'on fait des opérations, c'est moyen. Ah, on a pu l'encercler, bravo. Toi, essaye de faire ça pour encercler le petit gars qui est ici. Ah, ça va être compliqué. Oui, attaquez-les. Et vous, ouais. On va se dire que c'est ok. Ici... Quoi, assiste ici pour encercler lui.
C'est l'objectif. Il y a du monde. Il y a du monde qui l'a aidé, mais l'encerclement va être fait tout de même. Voilà, l'encerclement est fait, donc lui, voilà, il a pu être explosé et on va pouvoir prendre Cracovia, Cracovia. Pas Cracovie, ça. Pas du tout. Est-ce que toi, tu peux essayer d'aller ici pour encercler l'autre Jackie? Oh non, voilà. Prendre la montagne, toi. La montagne est belle. Oui, les renseignements civils. Si tu veux. Là, il y a moyen. Voilà, il y a moyen d'encercler ici pas mal de divisions ennemies. Donc on est content. 3 divisions ennemies de moins encore. Pour les problèmes roumains, évidemment. La Roumanie a décidé d'abandonner Bucarest. Ce serait gentil de sa part. Nous, on va essayer d'isoler le problème roumain. Bucarest est abandonné. Bravo. Bravo à vous d'abandonner votre capitale. Grosse intelligence artificielle. On est super content. On est super content de ses exploits. Qu'est-ce qui me reste ici? Oui, il y a encore un gars. Donc, ouais, vas-y, aide pour qu'on s'en finisse un peu plus tôt de ce petit problème. Et toi, toi, essaye d'attaquer, mais j'y crois zéro. C'est juste pour faire diversion le temps que l'autre y fasse du mumuse, non? Bon. Va là-bas, toi. Okay. What is the brawling? Ouais, y a des problèmes quand même ici. Y a trop de divisions ennemies. Je ne pensais pas qu'ils seraient aussi nombreux. Va là-bas, toi. Va là-bas. On va essayer de faire des opérations dans ce coin. Parce que visiblement, la nouvelle capitale, c'est ici. Timisoara. Bravo. Bravo, Timmy. Toi, reste ici, en fait, hein. On change le plan. Visiblement, on change le plan. Toi, t'es en train de te déplacer. Oui, tu vas essayer de prendre Brasov. Ouais. Et vous, vous venez aider, hein. C'est bien. J'ai envie d'essayer de faire ça, quand même. Quand même envie d'essayer d'être taquin. Les bombes nucléaires, on peut faire les bombes nucléaires. Bravo. Bravo, les bombes nucléaires. Et on va essayer de prendre la capitale ennemie pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train d'essayer de s'occuper de mon petit Jackie qui fait de la promenade. Essaye de prendre ça, toi. Et pendant ce temps-là, on prend la capitale, la nouvelle capitale ennemie, voilà. Vous allez être tranquille. Toi, prends le pixel ici qui gêne. La Roumanie a capitulé, bravo. Il ne reste plus que quelques gars isolés. Donc c'est pas mal. À Sibiu. Ici, oui. Alors on y voit très clair parce que c'est jaune, tout est jaune, donc c'est magnifique. Ça, on voit bien qui est qui est avec qui, c'est magnifique. C'est le bol. Tant pis. Trop de pays jaunes dans le jeu. Couleur. Ici, on va attaquer ici. Voilà, nickel. Attaque ici, toi. Et vous, attaquez là, hein. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème ici, c'est bon. C'est évidemment la Pologne qui a récupéré, on sait pas pourquoi, mais bravo. D'ailleurs, donnez-nous des troupes, les Polonais. Voilà, parfait. Parfait. Et ils ont trop de contrôle par rapport à ce qu'ils ont fait dans le jeu, les Polonais. Donc on verra pour faire autre chose avec eux. Vous voyez où je veux en venir, là. Je pense que vous commencez à me comprendre et vous avez vu ce que j'ai vu. Faire une percée ici permettra d'isoler toute la partie gauche. Pardon. Donc ça sera très bien. Ici, on relance des assauts. Voilà, que ça soit nous qui les ancions, ça sera mieux. Et donc il nous faut nos tanks. Oui, c'est bon, ils prennent le train, donc ça sera nickel. Je peux essayer de demander des territoires polonais. Je sais pas s'il va vouloir. Donner la Bulgarie et tout. La Roumanie, peut-être. Il veut bien tout me donner, lui. Il n'a rien à foutre, en fait. Mais merci. Voilà, comme ça, ça c'est à moi. J'aurai plus de troupes, peut-être, un jour. En tout cas, faut surveiller qu'il n'y a pas trop de problèmes de résistance. En Irak, c'est moyen. On va plutôt mettre en force de police locale. Le Maroc, ça commence à s'énerver dans le jeu. Tchécoslovaquie, ça devrait être ok.
L'Allemagne, oui, il y a quelques territoires qui sont énervés. Les Russes. Enfin, les Russes, va falloir mettre plus que ça. Hein. Va falloir gouvernement militaire. Hein. La Roumanie. Oula. Et la Bulgarie. En même temps, on vient de récupérer les territoires, donc il n'y a pas encore les, il n'y a pas encore les militaires dessus. Donc c'est pour ça. Il faut le temps qu'ils aient du matériel. Il manque tant que ça. Je l'ai le matériel. Moi j'ai 74 000 armes. Donc c'est ok. Faut juste que ça arrive. Très impressionnant. Bah super. On a détruit les mecs qui étaient isolés ici. Bravo. Donc ça c'est ok. Et ici, ici. Est-ce qu'on peut le faire avec, avec nos gars là? Essayez de faire ça. Victoire pour l'Egypte, bravo. Bravo, bravo. Parce que je sais pas combien de temps vont arriver. Ça y est, la résistance. Ça y est, la résistance s'est calmée. Donc maintenant, on a des gens. Ça aide. Ça aide d'avoir des gens pour lutter contre la résistance. C'est pas mal. Est-ce que t'attaquerais pas à côté, finalement? Plutôt que d'attaquer en face. Non mais, aide. Aide, mon gars. Et vous, les tanks, vous allez essayer d'aller dans le merdier pour essayer d'aller en face. Toi, tu restes ici. Je t'en supplie, tu restes ici. Il est où le deuxième tank? Il est pas là. Il est là, mais il a pas pris le train, cet abruti. Son pote, il a pris le train, mais lui, non. Oh non, pas envie. La flemme. Va super, allez, attaquez. Attaquez pendant qu'ils attaquent, comme ça, c'est bien. Même si on a qu'un seul tank, ça devrait quand même se faire. Voilà. Allez, allez, allez. Voilà, comme ça la page de gauche est isolée, on a isolé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 divisions ennemies. Bravo. Bravo pour la pocket. La petite poche. Pour en finir avec, avec ça. On retue encore d'autres divisions ennemies. Toi tu vas aller là et toi tu vas aller là. Et toi tu vas aller là pour faire diversion. Espérons. Oui, ici. T'attaques ici juste pour les amocher. L'espoir en compté est pas trop ouf. Pas trop d'espoir de victoire quand même. Je l'ai dit, si on arrive à faire ça, ça serait mieux que de les retasser. Mais bon. Je crois quand même peu. Cela dit, on a les tanks. Hein. On a les tanks, donc peut-être que ça suffirait pour couper en deux ici. Et avoir deux poches au lieu d'une. Ce qui sera plus simple à détruire. Voilà. Ça, on peut les détruire au nord et les détruire au sud. Et ça, c'est beau. À l'est, oui. Allez, les Anglais sont super contents. Le reste, c'est ok. On n'a pas encore ce qu'il faut pour prendre des bonus de vitesse de recherche. On peut prendre ça pour avoir plus de production ou autre chose. Ouais, mais tank médium, c'est bien joli, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les tanks modernes dans le tas. Et on va bientôt passer sur du tank moderne, alors c'est ça le problème. Je suis pas convaincu que ça concerne les tanks modernes, ça. Allez, plus de fiabilité sur les tanks. Ça sera toujours ça de prix. Cela dit, j'aurais pu l'appliquer. Alors ça, c'est le tank moyen. Notre bon vieux tank moyen. Qui commence à rimer plus à rien. Et notre tank moderne. Qui pour l'instant ne sert à rien aussi. Mais, sait-on jamais. Ils ont pas fini. Non mais faut débarrasser du problème, les gars. Hein. C'est des demeurés. Ici, oui. Détruisez-moi ce problème ici. Au nord, ça a l'air d'être complètement ok. Il n'y a plus qu'un gars en slip, donc c'est ok. Là, par contre, ils étaient 7, donc voilà. Autant s'activer dessus pour en finir. Voilà, c'est bon. C'est bon, les gars. Vous pouvez vous reporter là-dessus. Qu'est-ce qu'on... Moscou est en vue. Moscou. Est-ce qu'on n'irait pas à Moscou avec nos tanks? Petite invasion de tanks à Moscou. Dans le jeu.
Ça se fait, hein. Atlé, Clément Atlé a gagné les élections. Ah, super, bravo à lui. Bravo à lui. Bravo mon gars, t'es un champion, t'as gagné les élections. Très impressionnant. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais regarder si j'avais bientôt mes tanks. Ah, pas du tout. Je les aurais jamais. Les divisions blindées, je pense que je les aurais jamais. Et je voulais regarder où en étaient les forces soviétiques. Bah, il n'y a plus grand monde, hein. Ils sont plus que 1,6 million à 2,7 millions. Ils étaient 4 millions quasiment. Et nous, on en a tué 1,8 million. On fait tout le taf, hein. Par contre, l'occupation, hein, comme prévu, les Anglais commencent à prendre du score parce que... parce qu'ils ont trop de territoire, c'est relou. Et ils veulent pas nous en donner parce qu'on en a trop. Et par contre, les Polonais veulent bien. Ils veulent bien encore m'en donner, les Polonais. Donc j'ai plus de score. Et donne-moi ça, déjà. Et les Américains, comment ça se passe? Ah non, ils veulent pas du tout. Hein. Eux, c'est on garde tout. Je sais pas pourquoi les Polonais sont considérés... Ah, ils ont encore des territoires au nord, j'allais dire. Ils ont pas tant de territoires que ça, mais ils veulent bien m'en donner, c'est bizarre. Mais non, c'est parce qu'ils ont encore des territoires au nord. On peut essayer de leur demander aussi. Ça serait surprenant qu'ils acceptent celui-là. Enfin, ils en acceptent aucun, en fait. Ah, ça y est, ils considèrent qu'on a trop de territoires pour qu'ils nous en donnent de nouveau. Tant pis. On va essayer de foncer à Moscou. Je pourrais donner l'ordre à tout le monde d'attaquer, sauf que ça nous ferait des pertes pour pas grand-chose. Et je suis pas sûr que ça nous fera gagner beaucoup de temps. In-game. Si on fait tous les trucs de recherche, on va pouvoir avoir plus d'agents. Encore. C'est beau. Est-ce qu'on a augmenté... Ouais, on a pas mal augmenté notre production d'acier, là. Hein. Avec tout ce qu'on a fait et les trucs... les trucs qui en produisent ici... C'est considéré comme dedans ou pas? Ouais, c'est quand même considéré comme des ressources, les trucs de production, là. Enfin. Ok. Bon, ça c'est bien. Ça en produit plus. Ça avance. Moscou est en vue. On voit Moscou, on voit les lumières de Moscou. Bravo. C'est les Polonais hein, qui mènent la charge. Hein. Ils ont quelque chose à venger, probablement. Vas-y, toi, élargis le truc. On a les supports de 46, bravo. Le reste, c'est un peu tôt. Ça, les trains, on s'en fout. Ça, c'est ok, un peu pas trop. Ça, c'est beaucoup trop tôt. Ça, c'est trop tôt. Les bateaux, on a dit qu'on s'en foutait. De toute façon, on va pas affronter d'ennemis dans l'eau, visiblement. Vas-y, les missiles guidés. Normalement, on s'en fout aussi un peu, mais bon. Allons à Moscou. Let's go à Moscou. Il faut traverser la rivière, mais comme il n'y a personne qui défend Moscou, eh bien, voilà. Moscou est tombé face aux troupes égyptiennes. Bah, nickel. Voilà, on les a humiliés. Bravo. On a pris Moscou. On va prendre la banlieue de Moscou, qui a beaucoup de fortifications aussi, pour ne pas qu'ils le fassent. Ils ont pris... nos alliés ont pris Stalingrad aussi. Bravo. Un coup dur. Une journée difficile pour les Russes dans le jeu. Ils ont perdu à la fois Moscou et Stalingrad. Dans la même journée. Ça commence à se voir. Hein. Ça pique. Voilà, on essaie d'encercler ici pour récupérer toutes les fortifications de Moscou. De la banlieue de Moscou. La banlieue moscovite, évidemment. Et on essaie de dégager les petits gars qu'on a encerclés ici. Hein. Ça serait pas mal. La chute de Leningrad. Oh là là. Oh là. 2 jours d'affilée qui font mal. Hein. Leningrad est tombé aussi. Allez. 73% de capitulation. Bon là, on va les laisser se débrouiller. Nous, on va essayer de faire des opérations au milieu pour encercler des troupes ennemies. Même si là, ça commence à être compliqué. Parce que le front est très étendu et très éparpillé. Et c'est le bordel. Et je ne sais pas où donner de la tête. Toi, c'est super, oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire une opération d'encerclement dans le coin?
avec vous deux. On va essayer de faire ça. Pour isoler eux. Là, il y a beaucoup de monde. Hein. Là, ils sont 6, 5 en train de se déplacer. Là, 3, 2, 2. Ça fait beaucoup. Là, 3 aussi. Ça fait du monde. Ça fait du monde dans le coin. Donc voilà. Est-ce qu'on peut prendre Kalinine? On peut prendre Kalinine gratuitement. Pourquoi pas? Pas tout. Ça s'est vu. Essayer d'encercler le petit Jackie à côté, là. Oui, les Dutch font mumuse, si tu veux. On va essayer d'aider un petit peu, là. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Dutch, d'ailleurs? C'est lesquels? Parce qu'il y a toujours une Allemagne neutre. Ouais, ils ont 5 à 11 divisions. Les Pays-Bas sont toujours alliés à nous, donc ça m'a l'air d'être ok de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux pas améliorer les trucs. Ah, par contre, je peux prendre des technologies pour l'aviation. Si tu veux. De toute façon, j'ai dépensé déjà tous mes points, donc il n'y a plus besoin. Et je n'ai pas encore mes tanks. Ah, cela dit, ici, je pourrais peut-être attaquer. J'ai du mal à estimer. C'est où mes tanks? Ils sont là. Et là. Votre vitesse. 1 km/h. Pas assez de carburant. Mais pourtant, bien un petit camion. Il manque. Il y a des manques logistiques là. Les manques logistiques commencent à se faire sentir pour nos tanks. Ça commence à être un problème. La poche commence à perdre grandement de son intérêt. Tout le monde a eu le temps de se barrer. Donc c'est problématique. Donc va falloir la faire plus à l'est, malheureusement. Vas-y, attaque. Attaque les gars. Nos tanks, ils sont où? Le problème, c'est qu'ils avancent pas. S'ils ont plus de carburant, ça va être catastrophique. 5 km/h, ils en ont récupéré un petit peu. Ça reste pas ouf. Hein. Ça reste loin d'être ouf. Oui. Nickel. On va continuer d'essayer de faire une percée. Les missiles. Bravo. Faire de plus en plus à rien ce qu'on fait ici. Truc du Caire et tout. Truc pour les tanks. Bof. Il fait les technologies des marines si tu veux. Cela ne nous regarde pas. Vous. Attaquez lui ici. Toi aussi. C'est de reprendre des territoires ennemis. 77% de capitulation. On a un tank qui est ici. Bravo. Et toi tu vas aller ici. On va essayer d'étendre le truc. Oh. Ah. On a eu un faux espoir pendant une seconde. On a vu une percée, mais c'est résorbé immédiatement, donc c'était nul. C'était nul. Toi... Non, toi, tu fais diversion, c'est tout. Tu vas pas aller plus loin. Et toi, tu vas essayer d'attaquer ici pour essayer de bloquer, voilà, avec le pas de tank. Comme ça, ici, la poche est bien faite au sud. Donc c'est nickel. On va pouvoir neutraliser quelques troupes ennemies. Normalement. Même si les alliés n'aident pas trop pour l'instant, donc c'est un peu chiant. Mais on va essayer de se débrouiller sans. Oui, le débarquement, bien sûr. On améliore nos bateaux, ce qui sera très utile, pas du tout. Ça sert à rien. Allez, attaquer ici pour descendre vers l'ennemi. Non, toi, attaque ici. Et toi, attaque ici. Et vous, là, il y en a? Oui, il y a deux gars. Allez, attaquer dans toutes les directions pour essayer de se débarrasser de cette poche rapidement. Même si normalement c'est bon, ils ne sont pas rejoints par d'autres, donc c'est juste pour gagner du temps. Vas-y. Bon, là on attaque, c'est surtout pour pas qu'ils se reconcentrent. Évidemment. Et une invasion navale. Ils arrivent à faire des invasions navales ici? Bravo l'Angleterre. Je sais même pas d'où est-ce qu'ils partent. Il leur reste un port? Je ne sais même pas d'où est-ce qu'ils sont partis avec leur invasion navale. Ils ont plus de port. Ah si, ils sont là. Ils ont Ron. Ils ont ça. C'est deux ici qui font les invasions navales. Bravo. Très impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Bon bah ok. Tant pis, de toute façon, c'était pas le port qui nous intéressait, nous. Hein. On commençait à m'ennuyer avec le port. Ici.
Oui, il va falloir dégager ces gars-là, ils sont très nombreux. Mais on va avoir nos tanks, donc ça devrait aller. Et toi, après, t'attaques ici, vas-y. Je sais pas quel côté va tomber en premier, normalement c'est le côté gauche, hein, parce qu'ils sont déjà en train de fuir. Voilà, nickel. Et comme ça, on va pouvoir détruire 12, 17, 18, 19. 19 divisions et demie. Ça fait plaisir. On continue d'exterminer tous ces bolcheviks dans le jeu. Évidemment. Oui. Plus de renseignements. Bon, on s'en fout, mais c'est pour la déco. C'est super. Et là, on extermine les divisions ennemies. Bravo. Bravo, bravo. De l'autre côté, nos alliés, comment ça se passe? Bon, déjà, le plan d'attaque, il rime plus à rien. Parce que c'était pour prendre Moscou, mais Moscou est un petit peu tombé. Donc, le plan d'attaque est inutile. J'allais dire, est-ce qu'on peut passer en attaque de taré? Il commence à manquer des troupes, donc je pense qu'on peut se dire, on peut se dire à tout le monde attaquer, quoi. Comme ça, ils vont essayer d'avancer, ça capitulera un peu plus vite l'ennemi. On a décodé l'Allemagne, bravo. Essayons de décoder maintenant la Russie. Lol. Ils seront capitulés avant qu'on ait fini de les décoder. Bravo. Allez, ça va dégager ici. Voilà, les troupes s'en vont. Et il n'y avait personne. Let's go. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici, là, on pourra encercler rapidement. Encercler ce petit bout-là. Parce que là, ils veulent aller ici, mais en fait, cela ne nous intéresse pas du tout. Alors qu'une petite perforation ici, et puis on isole 4 divisions potentiellement. Donc ça peut être très rapidement fait. D'ailleurs, on peut même essayer de le faire en 100 tanks. Si nos gars sont pas trop mous du genou. Voilà, les tanks vont arriver. Et on va pouvoir encercler. Visiblement sans les tanks même, parce que sont trop lents, madame. Ils ont toujours pas de carburant, c'est ça? 3 km/h, ouais, bah, c'est bravo. Bravo pour l'absence de carburant, les gars. Vous êtes des champions. Étendre autant le front, ça sert à rien, les gars. Viens dès ici pour essayer de couper. Faut couper court. On va faire ça, même si c'est trop tôt. Et 2 ans. Vous vous rendez compte, 2 ans. On va faire ça, même si c'est trop tôt aussi. Vous compte de tout ce qu'on peut faire dans 2 ans, pendant 2 ans dans une vie. Ensuite, je sais pas pourquoi je regarde ça. Il n'y a plus besoin de décision. Là, faut juste exploser les troupes ennemies, c'est tout. Hein. C'est pas compliqué. Il est où notre deuxième tank? Ah, il arrive ici. Bravo, bravo mon gars. Donc voilà, on va essayer d'isoler les petits gars qui sont ici, comme ça, ça aidera les alliés et il y aura moins de troupes ennemies par la suite. Donc c'est bon. Pendant ce temps-là, ça avance un petit peu, mais je pense qu'il va falloir aller jusqu'à ici, dépasser l'Oural. On n'a pas le droit au gouvernement collaboratif vu qu'on a des alliés démocrates. C'est chiant. On est obligé de tout faire à l'ancienne. C'est long. On n'a pas le droit au bonheur. On attaque plus pour empêcher l'ennemi de se déplacer qu'autre chose, hein. Évidemment. Lui il va arriver, le petit tank, bravo, t'es plus lent que l'infanterie donc tu vas rester ici. Et toi tu peux donc attaquer maintenant, bravo. Et toi tu vas aider. Voilà, comme ça la petite poche ici va pouvoir dégager. Terme technique, évidemment. Ici, est-ce que tu peux pas faire ça pour séparer les fronts en deux toi? Qui sait? Oui, là ça va dégager, lui il va se déplacer, ensuite il va pouvoir essayer d'attaquer par là, par le pont. Je sais pas si ça change quelque chose qu'il y ait un pont, ou si c'est juste esthétique. Niveau stats, je suis pas certain. Ils se déplacent, oui, ils ont changé de projet, donc ils ont ressuscité. Bravo. Bravo, bravo. Et donc là, voilà, on va les dégager, puis on les attaque de l'autre côté de l'eau. C'est difficile, mais ils sont déjà bien affaiblis, donc ça saute, ça dégage. C'est bon, ça va dégager tout ça. Ensuite, est-ce qu'on se débarrasse de cette poche ou on laisse les alliés s'en occuper? Là, on est en train de faire réellement la poche. Mais je sais pas si on en s'occupe manuellement. Enfin, nous-mêmes, on laisse l'IA se démerder.
On a bientôt nos tanks. Ouais. Les tanks dans les territoires du froid où il n'y a pas de ravitaillement, c'est peut-être pas ouf. Peut-être pas ouf. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, il nous ennuie. On va déployer nos tanks nuls. Ils sont nuls parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais viendez ici pour vous occuper de ce problème-là, parce que là, il y a du monde qui est occupé ici, et ils pourront en reprendre tout si jamais ils sont laissés libres. Libres comme l'air. On n'a pas du tout envie qu'ils récupèrent plein de territoires depuis un pixel nul qui est dans notre bac. Pas du tout envie de ça. Oui, on continue les trucs, c'est pour avoir le truc de fin, pour avoir des soldats, enfin des espions en plus. C'est bon, lui il a fini de trouer ici, donc le nord, ici, l'Onega et tout, est isolé du reste de l'Union soviétique, donc on pourra les exterminer dans le nord. Quoi ? L'autre tank, tu vas venir ici aussi. On va remonter avec les tanks là-dedans, même si c'est pas ouf, pour se débarrasser de tout ça. Vraiment pas convaincu de mon plan avec des tanks. Entre la forêt et le froid, pas ouf. Encore invasion navale, mais ils nous saoulent. C'est tout ça, c'est parce qu'ils ont l'île ici, quoi. Nos potes, ils font pas d'efforts. Ah, ils vont avoir débarrassé le plancher ici, des troupes ici. Bravo. Bravo, bravo. Et en attendant, nos potes, enfin nos divisions, elles arrivent à faire quelque chose quand même, elles avancent. Hein. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, hein, ça le fait. Toi, tu vas aller ici. Tu vas prendre ça. Vous allez foncer. En plus, toi, t'es des cavaliers de l'enfer. Donc, les cavaliers vont vous permettre d'aller plus vite. Donc, de prendre des territoires plus vite. Et donc, d'être emmerdé moins longtemps dans ce territoire du nord. Le chéri, c'est le nord. Allez. On va même leur mettre un plan d'attaque. Comme ça, ils sont contents. Les forces, oui, si tu veux, ça nous sert à rien. Ça, par contre, ça peut être sympathique. Les forces conjointes avec les Anglais. On va avoir des bonus avec notre aviation. Même si c'est pour surtout des bonus d'XP. La Chine a déclaré la guerre à la Mongolie. Or, la Mongolie est alliée à la Russie. Donc, la Chine déclare la guerre à la Russie. Enfin, l'Union soviétique. Donc, l'Union soviétique va être vraiment dans la cacate parce qu'elle va se taper... la Chine en plus. Bon, entre 137 et 425 divisions. Donc ça va manger chaud, je crois. Hein. En plus, ils vont prendre Vladivostok rapidement. Je pense que la chute de Vladivostok risque de sonner le glas de la guerre. Hein. Il y a des chances. Toi, tu vas essayer de faire ça. On va essayer de se débarrasser ici rapidement. Ils ont appelé Monaco. Oula. Monaco est re-appelé à la guerre pour s'occuper des Chinois dans le jeu. Sachant que Monaco a capitulé depuis le début parce que bah, c'était nul. Mais ils ont quand même tenu, hein, ils ont quand même tenu. De manière assez impressionnante. Ils ont tenu. Malgré leur position encerclée par la France. Ils ont tenu. Oui, oui, ils appellent tous ses alliés qui ont déjà capitulé. Bravo. Bravo, génie de la diplomatie. Et de la stratégie. De toute façon, c'est normal qu'il appelle tout le monde, mais ça lui sert à rien, c'est tout. Oui, oui, vas-y, appelle tout le monde. Voilà, il a appelé même les territoires... espagnols qui ont déjà capitulé. Bravo. Bravo, bravo. Vas-y. Là, on va remonter ici. C'est nickel. Ça avance, oui. Gorky. Faut prendre Gorky, les gars, hein. Au point de Gorky. Voilà, Gorky est tombé. Donc ils sont à 83%, 85%. Vladivostok est tombé? Oui, Vladivostok est tombé. Donc ça commence à être compliqué pour eux, mais ils ont toujours les rotules. Hein. C'est ça de pas avoir de gouvernement collaboratif parce qu'on n'est pas de la bonne... parce qu'on est démocrate. Ou allié avec des démocrates. Ou dans une faction démocrate. Là, c'est une faction démocrate qui nous pose problème. Vas-y, on va essayer de résoudre le problème ici pour que nos alliés puissent nous aider un peu partout. Bravo, vous avez tout compris au plan. Ils ont décidé de se barrer, littéralement. Alors qu'on veut juste se débarrasser de ce problème. Bravo, donc. Bravo, bravo. Et ici, ils vont probablement décider la même chose, de se rebarrer aussi, pour la même raison.
Bravo. On a nos tanks qui sont arrivés. Oui, on a nos 4 divisions blindées qui sont ici. Bravo, ils vont se battre dans la neige. La spécialité des tanks, évidemment. La neige et la forêt, rien de mieux pour un tank. Les montagnes, c'est mieux aussi. Ou la mer. Foutez un tank dans l'eau, c'est magnifique, il adorera. Pas du tout. Pire strat, mais ok. Vas-y, toi tu vas venir avec ton petit tank, tu vas attaquer un peu partout. Oui, lui il va être isolé, bravo. Il a cependant gagné sa petite bataille, donc il aurait pu avancer. Mais non, on a décidé que c'était non. Donc voilà, on continue le petit encerclement ici. C'est toujours des territoires à nous en plus, donc c'est magnifique. Et voilà, viendez ici les petits gars. Toi tu vas essayer de continuer d'avancer. Re-invasion navale ici, dans l'est de l'Allemagne. Ils vont peut-être mettre pied à terre parce que ici c'est à nous et c'est pas défendu. Dans le pire des cas, ils mettent pied à terre, ils seront exterminés par mes alliés et puis comme ça ils nous feront un peu moins chier. Ils feront des débarquements en moins. Évidemment, c'est ce qu'on espère. Mais on va voir s'ils vont le faire. Allez, là ça va permettre de diviser pour pas avoir le petit poche à l'est ici. Même s'il y a que 3 divisions, ça fera déjà ça de moins. Toi, essaye de prendre plus large aussi pour la même raison. Ah, ils ont réussi à s'évader. Enfin, s'évade. Dans la cité de compagnie. S'évade. Oui, voilà. Ils sont quasiment encerclés. Toi, tu finis le boulot ici avant d'être idiot. Et de le laisser s'enfuir. Voilà, nickel. Ici, oui. Attaquer l'ennemi maintenant. On attaque un peu partout. Faut se débarrasser d'eux parce que nos alliés sont idiots et seraient capables de les laisser partir. 88% de capitulation. Toujours pas. Toujours pas capitulé. Cela dit, ça, je pourrais mettre ça. De toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Voilà, on attaque ici. Et comme ça, là, le front ici va pouvoir dégager. Il va faire de la place pour nos alliés. Pardon. Je suréchappe comme d'hab. Des blessés. Ah, dommage. Je réattaque ici pour faire diversion pendant que notre tank se déplace. Ah, et des alliés nous aident, bravo. Attaque par la mer, ça sera nickel. Pas du tout. Pire idée, mais bon, comme de toute façon, il est encerclé, l'autre Jackie. Voilà, ça va dégager bien vite. Nickel. Nickel, nickel, et là aussi ça a dégagé, donc il n'y a plus de... problème à voir si eux ont le temps de rejoindre leur position avant qu'on la prenne. C'est oui, ils ont eu le temps, mais ça a dégagé. Bravo. La paix avec la Corée, le Tibet, enfin le pacte de l'agression, si vous voulez. On va faire un truc, c'est qu'on va mettre nos tanks dans le milieu du pays. Attendez. Sont où les nœuds logistiques. Oui. On va se mettre donc plus bas. On va se mettre ici. Avec nos tanks. Et on va demander à nos tanks de faire une percée. Jusqu'à ici. Bravo. C'est tout à fait ça que je voulais. Pas du tout. C'est ça que je veux. Et je veux que ceux ici, ils fassent une percée comme ça. Ça m'a l'air ok. On va voir ce qu'ils vont faire. À mon avis, de la merde. Mais on est là pour tester. Pour tester s'ils font de la merde. Évidemment. Bombardement offensif, oui. En même temps, bombardement défensif, bon. Sur une ville ennemie, c'est moyen. Qu'est-ce que tu fais, toi? Là, moins de coûts de production. C'est très bien, ça. Ça, c'est déjà actif. Let's go. Il y a d'autres gars qui ont été encerclés ici. On va laisser le soin à nos alliés de s'en occuper. On a tué combien de... 2,3 millions. Les Anglais commencent à nous rattraper. Cependant, on est toujours en large avance sur la contribution de guerre. Bravo. Et donc, on a rejoint les entraînements avec les Anglais. Entraînement conjoint. Défense du Caire, si tu veux. Là, ne nous regarde pas. Vous, attaquez là ici, là. Ils sont isolés. C'est... Enfin, il est isolé, ce petit gars. On a pu... Ah, bah super. Ah, c'était long, le...
L'entraînement conjoint avec les Anglais a duré 2 ou 3 heures et on a perdu la priorité. Parce que visiblement, le truc est buggé. Alors je suis sûr que pour que ça marche, il faut être vassal de l'Angleterre et pas juste allié. Et pour refaire la recherche, il faut juste être allié. Je pense que c'est de là que vient le problème. Notant qu'ils arrivent ou pas ? Le problème c'est qu'il vient de loin. Là il y en a deux qui arrivent ici. Donc ça va être ok. Il y en a déjà qui sont sur place, bravo. Donc notant qu'ils arrivent. Ils vont pouvoir essayer de faire leur percée pour aller plus vite. Vu que en tant que ça va plus vite qu'un mec à pied normalement. Vous attaquez aussi. Voilà, on va essayer de foncer. Enfin, bien sûr, toi t'as tout compris au plan. Fonçons hein. On va essayer de prendre Kazan et tout. Et là, comme on a beaucoup de tanks, c'est plus la même. C'est plus la même parce que on peut se permettre d'être plus gourmand, d'aller plus vite et plus loin, sans se dire qu'on va se faire encercler parce qu'on peut faire des trucs de 2 de large sans problème. Alors qu'avant, c'était tendu. Là, on en a 4, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. La Mongolie a capitulé. Évidemment, les forces chinoises ont été très fulgurantes et trop efficaces pour la Mongolie. Et on a même récupéré des territoires en Mongolie. Bravo. C'est nous qui avons fait le plus de scores de guerre, donc c'est pour ça, dès que quelqu'un capitule, c'est nous qui récupérons. Temporairement, évidemment, vu qu'il y aura la conférence de paix, après qu'il nous dira « Finalement, t'as rien. Finalement, t'as rien, Jackie. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de mauvaises nouvelles ici. Traversement du fleuve gelé, moyen. Moyen pour nos tanks, c'est pas ouf. Ça a du mal. Ça a du mal, cela dit, là, ça va pouvoir passer, peut-être. Aucune idée. Oh, mais casse-couille. Casse-couille, man. Va, Kazan. Puis maintenant, il... Non, mais il se fout de ma gueule. Littéralement. Il perdait... Enfin, je perdais, donc j'ai arrêté. Et comme il gagnait, il a décidé de perdre et de se téléporter. Mais impressionnant. Impressionnant la tricherie, il y a des limites quand même. Allez, on avance même avec l'infanterie, de toute façon ils sont pas si lentes que ça par rapport à nos tanks n'ont pas de carburant, donc voilà. Encore un ennemi d'isolé, bravo. Bravo, bravo. Et toi tu vas essayer de foncer. Est-ce qu'on peut étendre un petit peu le front quand même? Et le ramener ici, le front des tanks. D'ailleurs il y a un tank qui est ici, on veut pas. Bravo. Les deux tanks sont ici. J'ai pris justement le mauvais, celui qui était le plus proche. Celui qui avait déjà fait tout le trajet. Bravo. Bravo, moi. Très impressionnant. De débilité. Kazan, ça tient toujours. Hein. On commence à nous ennuyer avec Kazan. Hein. On va attaquer depuis la terre ferme. Ça sera plus facile. Parce que là, il faut qu'il traverse les fleuves. C'est bon, quoi. C'est bon, ça y arrive pas. Donc à Kazan, il y a du ravitaillement, c'est ça qui est bien. Ouais, un espion ennemi, oui, si tu veux. Pas lui m'en fous. Allez. Voilà. On a récupéré Kazan, donc on aura du ravitaillement dans le coin. Et ça sera un peu mieux. C'en est où la capitulation? Ah, 96%, c'est imminent. En même temps, avec les Chinois qui sont en train de faire le taf à l'est, c'est normal que ça tienne plus. Ils sont littéralement encerclés d'ennemis. Et ils n'ont plus d'alliés, vu que la Mongolie, leur dernier allié, a capitulé. Ah, non, c'est la sauvegarde, ce n'est pas encore leur capitulation, ils sont à 96%, c'est plus. Il faut plus, évidemment, il faut 100, autrement, ça capitule pas. Il faut continuer de prendre des petits territoires de merde, où il n'y a pas de ravitaillement, donc c'est très chiant. Très chiant à récupérer. Où Kazan, c'est ici. Vous étendez pas trop. Hein. Vous désétendez pas trop, les gars. Oui, les jets. On a des jets privés, super. On va pouvoir avoir des stars et tout. J'aurais pu l'appliquer, ça. Dommage. Dommage, mais c'est ok. 96%, mais il reste des villes importantes à prendre là ou pas? Ouais, mais ça, c'est la Mongolie. On s'en fout.
Pas trop, hein. Je crois qu'il va falloir avancer pas mal. Hein. Petit score par petit score. Hein. Oui, la défense aérienne. Anti-aérienne, pardon. Évidemment. Kazan, oui, là, ça fonce. Enfin, ça fonce. C'est des tanks qui n'ont pas de ravitaillement, donc ça fonce moyen. Est-ce que... Ouais, 2,7. Hein. Et puis, il y a le malus de neige profonde qui s'applique deux fois. Ça, c'est... Hein. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de malus qui s'applique plusieurs fois. C'est quand même un comble. C'est n'importe quoi. Une fois, c'est déjà suffisant. Un double malus pour un effet, c'est pas top. C'est moyen. Surtout que je pense pas qu'on puisse y faire grand chose pour les tanks. Hein. Je crois pas qu'il y a les pneus neige. Pourtant les chenilles, ça devrait aller, mais visiblement, non. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En même temps, les chenilles, au bout d'un moment... Hein. Ça fait pas tout non plus. Je vais reprendre Oufa. C'est Oufa le plus proche, en ville. Au nord, il n'y a rien, mais il n'y a pas de ravitaillement, donc mes alliés n'avancent pas. Au sud... Au sud, il n'y a pas grand-chose. Il y a une poche qui pourrait être faite. Ah, il y a... Sterlitamak. Sterlitamak. Ok. Comment ça? Ah, j'ai le nombre max d'espions, peut-être. Là, normalement, je suis censé en récupérer des espions, mais... Mais non. Eh bien, non. Toi, tu vas venir ici et tu vas essayer d'aller ici. Vous aussi, allez ici. Toi, tu vas là. Faut qu'on avance. Faut qu'on avance dans les territoires russes si on veut finir cette guerre. Là, c'est un ravitaillement ennemi. On veut de logistique. On veut le prendre. Voilà. En plus, c'est une petite ville, donc ça fait du score. Comme ça, ils sont à 98%. Encore une ville comme ça et ça sera bon. Ça sera bon, ça sera bon. Non. Les sauvegardes, sinon, font peur, mais en fait, non. C'est toujours pas la paix. C'est pas fini, la guerre. Toi, essaye d'aller à Oufa. Enfin, Oufa. Va à Oufa. Ouf. Oui. Pense à toi. L'autre, il va à Oufa, c'est bon. Il a réussi. Va à la capitale ennemie. Même si... Pas sûr qu'on ait besoin d'y aller, mais ok. 100%. Ça y est. Ça capitule. Ça capitule, mesdames. Et voilà. On a capitulé l'Union soviétique et c'est nous qui avons fait le plus de scores de guerre devant l'Angleterre. Bravo. On n'a pas le droit de faire de pupettes parce qu'on triche. Non, mais parce qu'on est alliés. Enfin, on est dans les factions des alliés. Donc, factions démocrates. Donc, on n'a pas le droit. On va récupérer tous les territoires espagnols. L'Espagne, c'est à nous. L'Irak, on aimerait bien que ça soit à nous aussi, dans le jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Mongolie, on s'en fout. Hein. Bulgarie, Roumanie... Est-ce qu'il va pas y avoir... J'allais dire les Turcs. Hein, les Turcs ont fait du score. Hein. Peut-être plutôt viser la Roumanie plutôt que la... La Bulgarie. Essayer de viser aussi des territoires russes. Ah, les territoires allemands. Essayons de viser plutôt les territoires allemands pour avoir toute l'Allemagne. Bon, ça sert à rien, mais... Il y a déjà bagarre. Non, il n'y a pas encore bagarre. Et eux, ils sont en train de libérer l'Ukraine. C'est rigolo. Et bah, si vous voulez. Mais personne prend la Bulgarie. Bah non, on va prendre la Bulgarie. Hein. Et... on va prendre l'est de la Russie parce qu'ils vont moins se jeter dessus, nos alliés, normalement, que l'ouest. L'ouest risque d'être beaucoup plus chamaillé pour la prise de territoire. Et il y a un territoire qu'on veut absolument, c'est celui-là. Là, il y a beaucoup de ressources, donc on le veut. En plus, il coûte pas très cher, donc c'est ok. Et on va essayer de demander ça. Il y a un peu bagarre pour Vladivostok, mais les Anglais, mais casse-couille, man! Ils sont si chiants, les Anglais. Hein. Je sais qu'il y a un mode pour que les conférences de paix soient, entre guillemets, sans intervention des alliés. Je trouve ça nul. Ça fait partie du jeu.
D'après ce que j'ai compris, c'est ils font plus rien et c'est nous qui décidons de quoi on leur donne et tout. C'est un peu trop chiant. Par contre, là, le fait qu'ils veulent pas... qu'ils font n'importe quoi, c'est un peu chiant aussi. Par exemple, tout le monde s'en fout de la Tchécoslovaquie dans le jeu. Mais ça, c'est dommage. On va pas laisser des territoires libres. Et pareil pour les territoires baltiques. Tout le monde s'en fout. Ils vont se réveiller dès que je vais les avoir pris, tu vas voir. Et voilà, ils se réveillent. Vas-y. Comme dit, ils se sont réveillés dès que je les ai pris, hein. Ah, ça me sort par le... Par le trou de balle, pardon. 700, oui. 500, j'ai encore assez. J'en sais encore assez pour me battre. Ça, on va le laisser, on va le laisser. Parce que c'est, on serait encerclé, donc c'est pas intéressant. Et personne a pris la Mongolie. Non mais... Et là, je suppose que quelqu'un va la prendre. Non, ça va. Bah ok, on va essayer de prendre les territoires ici, mais... Les casse-couilles-man se débat. Je sais même pas ce qu'ils ont fait avec le reste du territoire, ces idiots. Oh, mais casse-couilles-man, casse-couilles-man. Il échange de gouvernement, bravo. Monaco a été récupéré, oui, par les autres. L'Allemagne, oui, par les Polonais, oui. Est-ce qu'il y a des territoires qui n'ont pas été pris? Non, ça va. Et nous, avec 126, est-ce qu'on peut récupérer quelque chose? Waouh. Grosse flotte. On peut récupérer des gros bateaux, là. C'est nul. Vas-y. Donc, on va voir ce qu'on va obtenir. Et puis, ça sera fin du game. Ça sera la fin de cette partie. Après, on pourra essayer de déclarer la guerre à des gens. Mais en vrai, des gens, il n'y en a plus. Donc voilà. Nous, on est en jaune. C'est pas mal. C'est pas mal pour l'Egypte. Attention, la Chine n'est pas à nous. Mais c'est quand même pas mal. Évidemment, on peut reformer rien du tout, vu qu'en tant qu'Egypte, nous, ce qu'il nous fallait, c'était plutôt des territoires en Arabie. Soit Arabie, soit tous les territoires ici. Donc au sud de la Méditerranée, grosso modo. Donc on ne peut pas unifier le pays, dommage. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Oui, Russie démocratique fédérale, bravo. Voilà, on a des pixels partout, c'est magnifique. On a même Roumanie, Bulgarie, c'est à nous. Est-ce qu'on peut libérer des vassaux dans ce mode? Oui, on peut. Donc ça va. Et on a toute l'Espagne. Eh bien, ok. Bon, bah, on va s'arrêter là, je pense. Il n'y a plus d'autres événements, si. Ah, d'accord. On vient d'être kické de la faction. Eh bien, bravo. C'est un problème, ça. Parce que si on est kické de la faction, déjà, je vais plus avoir les troupes des alliés. Voilà. Et les supports alliés, il n'y en a plus. Et comment je fais, moi, maintenant? Comment je fais pour les résistances et tout? Dans 2 secondes, il va me déclarer la guerre, ce trou de luc. Voilà, on n'a aucune chance de faire quoi que ce soit. Ils sont trop puissants, maintenant. Et donc, ça sera la défaite, quoi qu'il arrive. Allez, cherchons la bombe nucléaire avant les Américains. Et l'Irlande a rejoint les alliés. Visiblement, la priorité. Vas-y, nous on va se mettre autour du canal de Suez. Ah oui, c'est vrai qu'on a plus Sinaï parce qu'on se l'est fait voler par les Turcs. Je sais pas comment ils ont fait, mais bravo. Et on se fait mettre sous embargo par tout le monde parce qu'on a pris trop de territoire, donc on a créé trop de tensions mondiales. Bravo à nous. Et ben voilà. Et donc là, on a plus de troupes. Mais on va s'arrêter là. Des bisous YouTube, à la prochaine. On va faire une nouvelle partie juste après, mais pour YouTube, c'est fini. Allez, des bisous YouTube. Bye YouTube.